6% de réduction sur vos crédits avec le code YOMAX. Attention, il y a des risques, checkez la description. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien les gars. Aujourd'hui, venez, venez avec moi, venez dans l'enfer Division Rivals, la Division 1, l'enfer. Chaque match est un défi, chaque match c'est le match de ta vie. Avant toute chose, présentons l'équipe. La nouvelle équipe, j'ai changé d'équipe. Bah ouais, mon équipe à 25 millions, c'était pas assez, il fallait que je fasse mieux. On a gardé l'ossature De Bruyne, Neymar, parce que c'est les deux invendables, je voulais absolument les caler. Pour compléter tout ça, je voulais absolument Mbappé et Gullit. Ben voilà, j'ai trouvé ce qu'il fallait, bien sûr. En match, je joue en 4-3-3 cette fois-ci. On a pris Dorea Totti, c'est le premier joueur que je vais jacter, il sert à rien. Ça sert à rien, Totti au cage. Même le plus petit pété des gardiens, c'est parfait. T'as juste à bouger le gardien sur FIFA 19. Et voilà, si tu maîtrises ça, t'inquiète pas, n'importe quel gardien, un minimum un peu fort, il fera les arrêts qu'il faut. Je vous jure, c'est la vérité, ça sert à rien. Dorea Totti, il pue la merde. L'enfer, Division Rivals. Oh les gars, faut pas croire que j'ai une équipe de porc. J'arrive à gagner tous mes matchs, tout ça. Ma parole, je perds énormément de matchs. Les gars, ce jeu, FIFA 19. C'est pas l'équipe qui compte, l'équipe ça compte un petit peu, mais tu peux venir me péter 5-0 avec une équipe full régulière. FIFA 19, j'espère que vous l'avez compris depuis le temps, c'est les time finishing et maîtriser le fait de bouger le gardien. Si t'es fort à ces deux trucs, tu gagnes tes matchs, c'est tout, il n'y a rien besoin de plus, il n'y a pas de construction, tout ça. C'est le time finishing et le fait de bouger le gardien, si t'es fort à ça, tu gagnes tous tes matchs. Donc tu peux venir me péter mon équipe de port, tu peux me péter avec n'importe quelle équipe, je te garantis, si t'es fort au time finishing et au fait de bouger le gardien. Moi personnellement, je suis une machine en time finishing, mais pour bouger le gardien, je suis pas très fort. Mon adversaire dans cette vidéo, jolie équipe. Voilà, si le mec il maîtrise bien le timing finish et qu'il bouge bien son gardien de sorte à ce que je mette peu de buts, même en mettant des timing finish de mon côté, il va gagner. C'est comme ça, FIFA 19 c'est ça. Il n'y a plus de FIFA, jeux de foot, tout ça, c'est fini les jeux de foot. FIFA 19 c'est pas un jeu de foot. Les gars, j'ai l'impression que bon, bah allez, bref, on va pas parler, on va jouer. Vous savez quoi, on va jouer, je vais vous montrer que c'est quand même une bonne équipe et on va essayer de faire de bonnes perfs. C'est la division 1. Chaque adversaire, les gars, c'est des machines. Chaque adversaire, c'est des mecs quasiment à chaque fois qui vont déjà fait des top 100, qui sont actuellement dans le top 100 et tout. Je sais pas pour lui, je vais pas aller regarder son pseudo si c'est un mec du top 100, mais voilà l'équipe, on va se concentrer, on va essayer de gagner tout simplement. Et ok, j'ai cru que j'allais avoir une action. C'est parti les gars, commençons ce match, hein. Je vous ai même pas présenté mon équipe en détail les gars, de toute façon je vais encore la changer dans 3 jours, elle aura changé, j'arrive pas à trouver l'équipe qui me convient. Et peut-être un but pour l'adversaire, non. Voilà, j'ai aussi ce défenseur droit là, pas mal, Alexander Arnold, mais il coûte un peu cher, donc je sais pas si ça sert vraiment, donc peut-être que je le revendrai aussi. Bref, l'équipe va bien changer. À gauche il y a Neymar, à gauche il y a Neymar, Neymar contrôle. Ok, dommage. De Bruyne. Oh, oh putain, oh là là, les gars, il y a un zéro, il y a hors-jeu, je crois qu'il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, putain, il y a hors-jeu, c'était beau comme action, bah ouais, j'ai pas fait exprès, c'est pour ça que dès que je fais un truc pas exprès et que ça marche, je trouve ça super beau. Ah là là, n'importe quoi cette vidéo, n'importe quoi, les gars, on va s'amuser aujourd'hui, je pense qu'on va rager aussi, parce que, ouais, c'est impressionnant, mais voilà, quand ce mode de jeu, la division rivale, c'est un peu comme Fut Champions, hein, c'est la même merde. C'est assez compétitif, du coup, compétitif, bah, tu rages à mort quand tu perds, quand tu te prends un but, quand tu trouves que ton joueur à 8 millions, bah, il vaut 8 millions, à ton avis, 8 millions, il est censé faire un bon contrôle à chaque fois qu'il contrôle un ballon, bah, quand il fait un mauvais contrôle, tu rages. Voilà, gros, c'est ça, ce mode de jeu, FIFA 19, beaucoup de rage de mon côté, et bim! Oh, voilà la patate, là, on voit que c'est un Totti. Là, je te dis, je le vois dans ce match que c'est un Totti, parce que ma parole, il y a des matchs, il y a des rééquilibrages. Excusez-moi, je suis vraiment excité dans cette vidéo. Comme d'hab, ça, c'est un match que je vais dominer de la tête et des épaules. Et au final, il va y avoir défaite ou match nul, notamment à cause de cette passe décisive pour l'adversaire. Voilà, je lui ai fait une passe d'ess avec le gardien, tu vois, la concentration. Voilà, là je rage même pas parce que je sais que c'est de ma faute, tout ça, on peut pas se plaindre après avoir fait une boucherie comme ça. Mais voilà, des matchs comme ça que tout se passe bien, ben voilà, il faut que je parte en couille. Oh oui, oh oui, Neymar il est passé. Mais il va se faire rattraper bien évidemment, il a beau avoir 97 de vitesse sur la carte, il va se faire rattraper le frérot. Allez c'est bon, il s'est pas fait rattraper au final, on est mauvaise langue. Et voilà, magnifique, c'est de la merde ce jeu, c'est de la merde. Le problème c'est que là, à chaque frappe comme ça et que je mets du vert, je sais que ça rentre, c'est obligatoire. J'ai un mec qui a 99 de gêne, et même avec un mec qui a pas 99 de gêne, il te le met ce but en timing finish, c'est n'importe quoi. Attention parce que c'est la même pour les adversaires, il peut faire la même. Oh la tête de moi, il m'a violé. Il m'a violé, il m'a violé. C'est bon, il n'y a pas but les gars, on continue le match. On continue le match, la victoire c'est le plus important, peu importe la manière. Oh là là, oh là là, oh là là. Et voilà l'égalisation de l'adversaire. Eh ben oui le yo, encore une fois. Tu te fais bouffer en défense. Oh là là, Mbappé il est parti, Mbappé. Ça peut faire but mais je vais comme d'habitude rater mon face à face. Oh oui, il a réussi. Oh oui, Kylian Mbappé. Oui, oui, c'est bien. Bon, il n'y a pas de célébration, allez, on passe. Jouer ça. Allez, on envoie Neyne. Ah, ah oui, ça passe.
Frappe d'ici. Ben oui, oh non, mais non, mais tu vois, là, je rate le timing finish. Tu sais que si je le mets, il y a but assuré. C'est pour ça, je rate des trucs, j'en ai marre. J'ai envie de me tuer une balle à chaque fois que je rate un truc comme ça. Oh oui, oh oui, Nainé. Oh oui, Nainé. Nainé, va-t-il trouver quelqu'un, Nainé? Oh là là, bien joué ça, Nainé. Oh là là, le... Oh, ouais, penalty. Mais tombe. Bon, si il tombe, il y a Pédou, on le sait tous. Putain, mais tombe, De Bruyne. Oh, oh là 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 là, c'est bon, je suis mort dans le film. Je suis mort dans le film. Je suis mort dans le film. Oh oui, oh oui. Les gars, là, il aurait dû marquer le mec. J'ai l'impression c'est le même mec que moi. Enfin, je te jure, j'ai l'impression il fait les mêmes dingueries que moi. Là, il a fait une dinguerie. Il aurait dû marquer. Tant mieux pour moi. Et tant mieux. Voilà, le ballon, on prend pas de but. Allez. Voilà, c'est à ça qu'il sert aussi. Je suis très content de l'avoir acheté. Lui, c'est une machine. Lui, c'est une base. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok. Oh, penalty. Oh, le penalty bien obtenu. Ouais, ouais, j'ai cru qu'il allait pas siffler, hein. J'ai eu peur, hein. Il y a la flèche, mais je suis content, il y a la flèche. J'aime trop quand il y a la flèche parce que je suis trop nul au penalty, moi, sinon. 5-2, c'est gagné. Bon, bah, franchement, victoire 5-2. Je m'attendais pas à un match, franchement, aussi simple. Ça va, franchement, j'ai pas galéré, j'ai gagné. On va dire que mon équipe est bien supérieure à l'équipe de l'adversaire, mais au moins j'ai bien joué, tu vois, je suis content, 5-2, c'est une bonne victoire, nette et précise, et franchement, j'ai joué, allez, 7 matchs cet après-midi, c'était le meilleur match de l'après-midi, je te promets, c'est comme ça, j'ai de la chance en vidéo, je lance un match en vidéo, bang, c'est le meilleur match de la journée, je suis rang 1 en plus, c'est magnifique, tout se passe bien dans cette vidéo. Bref, inutile de me demander un autre match en division rivale, je peux pas, pour moi vraiment c'est l'enfer, faut vraiment être concentré à mort, voilà, en vidéo, faut que je parle, tout ça, donc je suis moins concentré, et je risque de perdre beaucoup de matchs, de toute façon je suis en division 1, les adversaires en face c'est pas des nuls, j'ai un niveau élite 3 personnellement, avec n'importe quelle équipe j'ai un niveau élite 3 je pense, j'ai pas plus que ce niveau là, je suis désolé, le niveau élite 2, élite 1, top 100, je l'aurais pas, je l'aurais certainement jamais, il faut vraiment s'entraîner. Je suis déterminé, cette semaine je vais beaucoup jouer, mais ce qui me saoule en fait, c'est que ce jeu, oubliez la construction, tout ça, la seule construction qu'il te faut, c'est la construction pour trouver une frappe timing finish. Voilà, c'est la construction, c'est ça, trouver une frappe en entrée de surface pour faire un timing finish. Il marche le mieux, bien sûr, c'est les frappes sans contrôle, ça je le maîtrise pas encore bien assez, et c'est pour ça que voilà, je perds certains matchs, tout ça, parce que je maîtrise pas encore ça. Et aussi bouger le gardien, combien de fois je tombe sur des adversaires, j'ai beau les fumer, je maîtrise tellement le fait de bien bouger le gardien, j'ai pas assez de brain pour tirer à l'endroit où ils vont pas bouger le gardien, t'as capté. Bref, du coup je perds les matchs comme ça, et ça me saoule parce que FIFA c'est un jeu de foot, et ça se résume maintenant juste à trouver une position pour frapper de loin. Je trouve ça dommage, donc voilà, pour moi c'est un enfer Division Rivals, parce que voilà, toute la semaine, c'est le seul mode de jeu où tu peux jouer avec ton équipe. Les matchs simples en ligne, ça sert à rien. Je lui vois mon équipe, les gens, ils rage-quittent direct. Donc c'est le seul mode de jeu où je peux jouer avec mon équipe. Et voilà, ça me saoule en fait, c'est trop tryhard tout ça. Quel contenu je peux vous proposer en vidéo? À chaque match, ça va être une galère. Je vais certainement le perdre le match parce que les mecs, c'est des machines, faut dire ce qu'il y a. Ils maîtrisent très bien les aspects du jeu. Ah, j'ai beau avoir une équipe de porc, les gars, voilà, j'ai jamais été Rafsou, j'ai jamais été Rocky, les gars. Je reste avec mon petit niveau. Mais voilà, je sais jouer comme ma FIFA, mais pas aussi bien que certains. Hein, voilà, grosse équipe. Le niveau de jeu, je sais pas comment on appellera cette vidéo. Bon voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter ma nouvelle équipe, du coup une vraie équipe que j'aime. Je vais améliorer Van Dijk, Totti par exemple, peut-être Marcelo Totti, De Gea je vais l'enlever, hein. Le Totti il sert à rien. Et voilà, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était le gros yo, ciao les gars.